Et coucou tout le monde, c'est Axe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau chapitre d'Uncharted The Lost Legacy Remaster sur PS5. Wow! Elle est énorme cette statue de Ganesh. Ces statues de Ganesh, elles sont énormes. Trop fort. Bienvenue au centre d'Alebidou. Alebidou! Le dernier emplacement connu de la défense de Ganesh. C'est magnifique. Tamalou, allô Bidou. Pardon. Nul. Quoi? T'as pas l'impression qu'il y a un genre de barrage entre les deux statues de Ganesh? L'eau a dû finir par l'emporter. Alors, comment on entre? Attends. En galérant. Ouais. La couronne. L'usure est pas naturelle. T'as raison. C'était peut-être une tour de guet. Les Perses ont dû entrer là. Ils ont fait une percée. On m'a tellement rebattu les oreilles avec cet endroit. J'arrive pas à croire que je le vois en vrai. Tu devrais prendre une photo? Tu l'enverras à ton père. Bonne idée. Quoi? Avoue que t'y connais rien à l'informatique. Prends une photo et tu lui montreras en personne. Il est mort? Non, c'est juste un peu trop tard pour le faire. Oh la boulette. Oh non. Non. Non, c'est rien, ça va. Alors, on va visiter Alebidou? Ouais. Bien. La grande bataille. Difficile à croire que c'est réel. Imagine ce qu'il a fallu pour faire ça. Les artistes, magnifique. Les ingénieurs. Ouais. Les jeux de lumière. On devra résister au temps. On prend plein les yeux. Leur roi aurait dû utiliser leur richesse pour protéger son peuple, et pas créer une cible aussi alléchante. Il y a des marches pour descendre. Du moins, ce qu'il en reste. De comment atteindre la couronne? T'as apporté l'hélicoptère? Il est resté chez moi. Dommage. Alors va falloir grimper. Oh, tu as un petit trésor. Par là-bas, on pourrait passer. Faire le tour comme ça. Nadine, t'es où? Ou alors, on peut aussi faire ça. Ok, prête? Attention! Aïe, messire! Ok. Et maintenant? On cherche un moyen de monter. Regarde là-bas. On aperçoit des structures. Nos filtres. T'as raison. J'ai toujours raison. C'est encore plus impressionnant. Et on va s'approcher. Allez, par là. Ça craint rien? T'arrêtes pas de me demander ça. Tu nous ferais gagner du temps si tu disais que ça va. Ah ouais, elle te fait un bon 3 mètres latéral. J'ai vu. Tu penses pouvoir remonter? Ouais. Non. Continue, je te rattraperai. Ah.
tiens rien du tout, j'arrive. Ça va, je peux y arriver. Laisse-moi juste m'aider. Allez, monte. Merci. Vous demandez si gentiment. Attention, qui compte. Je n'avais pas dit que Ganesh était le destructeur des obstacles. Il en placera sur ta route s'il pense que ça te sera bénéfique. C'est pour ça que les Olsala l'ont choisi pour un Lébidou. Il est aussi le dieu de la bonne fortune. Celui que tu pries pour avoir prospérité et réussite. Je vois. Il n'y a vraiment pas d'autre moyen de traverser. Non. Oh putain. Ok. Bon. Ça va, tu t'éclates ? Et comment ? Énorme. Marrant, non ? C'est le truc le plus fou que j'ai jamais fait. Dans le bon ou le mauvais sens ? Je te le dirai plus tard. Ok. Bouge-toi, Nadine. Aïe. Je pense que ça... Ok. C'est bon. Tu te débrouilles comme un chef. Merci. Ça ira mieux quand on sera sur la couronne. Bizarre qu'on n'ait pas encore vu Assad. Je touche du bois. Ah, il est dans le coin. Ça m'étonnerait qu'on le voie ici. Pourquoi ? Il n'a pas les tripes pour grimper aussi haut. Petits oiseaux. Je vois un endroit où me balancer jusqu'à la couronne. Avançons encore. Oh merde ! Oh, merci. Dépêche-toi de grimper. Je glisse. Oui. Ta ceinture est bien accrochée. Oh. C'est beau. Et c'est dangereux. Alors ? Impressionnant. Ouais. Oh. Bon. Comment on descend là ? Par là-bas ? Ok, tout en douceur. Il y a un truc là. Yosa, quand est-ce que tu vas revenir ici ? Oh punaise, ok. Ok. Notre entrée avec l'aimable autorisation de l'armée perse. Oh oh. Waouh, joli tir. Les Perses devaient avoir un trébuchet. Un trébuchet ? Tu pourrais pas simplement dire catapulte, comme tout le monde ? Un trébuchet est une sorte de catapulte. Ah, c'est ça qui a creusé le... Tirer des projectiles wow. plus lourds, comme celui-ci, et les lancer plus loin. T'as appris ça pendant ta formation militaire ? J'ai cherché sur Wikipédia. Comme tout le monde. Prête ? Arrête-toi. Incroyable. Ce sont nos vieux amis, Parashurama et Ganesh. Des amis ? On dirait qu'ils se battent. Tellement beau. Quand les dieux hindous ne combattent pas les démons, parfois ils se battent entre eux. Ganesh est même pas armé. Oh, j'imagine que c'est pas vraiment son style. Barry, ouais, par là. On dirait bien. Ah voilà.
barricadé la porte. Ça leur a pas servi à grand chose. J'imagine qu'ils ne s'attendaient pas à ce que les Perses débarquent par en haut. Après deux invasions, on aurait pu croire qu'ils s'étaient préparés à tout. Ou ils pensaient tout simplement qu'ils étaient invincibles. Mais qui l'est ? Invincible. Par là. Personne. Eh, regarde. Désarmement. T'avais raison, Nadine. Ça m'arrive. Waouh. Carnage. On dirait un mélange perse et Oysala. Première ligne de défense. Voilà, là on avance. Oh non, de Zeus. On comprend pourquoi la grande bataille. Hey. Hein. Encore une autre de ces portes. Voyons ça. Ah, super. Enfin une qui fonctionne. Et voilà. Wow. Enfin un peu de lumière. On se croirait dans une crypte. Les cryptes et les funérailles, c'est pas vraiment un truc hindou. Ils préfèrent la crémation. C'est une belle cérémonie, anti-eshti. Un mot sanskrit qui signifie dernier sacrifice. Sacrifice ? L'idée, c'est que nos corps sont des véhicules qu'on emprunte et qu'on rend ensuite pour que d'autres en profitent. De bien beaux sentiments. Trop tard pour ces pauvres types. Ouais. Ah bah non, ils ont bloqué la porte. Hé, hey, là-haut. C'est quoi tout ça ? Un petit ados. C'était ici, leur dernier combat. Ça a pas suffi à sauver leur empire. Bon. Visiblement. Puis pour eux, tant mieux pour nous. Porte qui est bloquée de l'autre côté, ok. Waouh. Voilà notre entrée. Nadine, tu m'aides à déplacer notre ami ? Bien sûr. Allez, mon petit vieux. Et voilà. Allez, pousse-toi. Désolé. On va se rapprocher. On est plus proche que ces types. Ce mécanisme me dit quelque chose. Espérons que ça ne va pas ouvrir l'eau là-dedans. C'est joli, hein. J'en profite pour regarder un petit peu. Oh. Oh, c'est différent. C'est quoi tout ça ? Eh bien, je suppose que c'est une... Il va falloir reconstituer quelque chose. Cette porte. Ok, sur la gauche, on a Shiva offrant la hache à Parashurama. Et sur la droite, on a Parashurama coupant la défense de Ganesh. Attends, avec la hache ? Ouais. Celle que Shiva, le père de Ganesh, a donnée à Parashurama ? Ouais. Oh. C'est tordu. C'est ça, la famille. Allez, on essaie d'ouvrir cette porte. Alors comment ça marche ? J'imagine qu'on le découvrira au fur et à mesure. Voyons ce que ça fait. Bien, ça fait glisser la pièce, moi, moi. Son ombre a bougé aussi. Essayons ça. Toi, tu vas là. On est bien. Je comprends ce qui se passe. Les ombres correspondent au disque. Bien. Voyons si j'arrive à toutes les aligner. Ça a l'air marrant, en fait. Voilà. Ok, là, on est pas mal. Il manque quelque chose. Ah! Bon. Je crois que c'est bon. T'as réussi, la porte est ouverte. Ouais, il sent qu'il m'a dit.
Ok. Il n'y a pas de quoi. Sala et le tigre. Allons-y. Et du coup, il y a l'enclave, je suis jamais allé voir non plus. On ira peut-être plus tard. C'est normal ça? J'en sais rien. Non. Va pas nous faire tuer. Rabat-joie. Prête? Wow, wow, wow. Fais gaffe. Incroyable. Mon nom est un Shiva. J'allais le dire. Ah, de l'eau encore. Ross. Oh, oh. Bon, ça fait ascenseur. C'est bon, tout va bien. Je t'assure, tout va bien se passer. Bien ? Elle est où, cette défense ? J'en sais rien, tout ça n'a aucun sens. Si, bien sûr que si. Léo et Sala se paient notre tête, voilà. Je crois que t'as raison. Ah, super. Attends, écoute-moi. Ganesh est l'emblème de... Allez, Bidou. Et Shiva, c'est celui de... Belour. Belour, l'ancienne... L'ancienne capitale. Exactement. Et si le roi avait construit cette ville spectaculaire, et que c'était devenu une cible idéale pour les Perses? Pour qu'ils oublient l'ancienne capitale. Toute cette ville ne serait qu'un leurre. Peut-être qu'ils l'ont laissé se faire piller, pour protéger Belour. Et leur trésor. Je suis prête à parier que la défense a toujours été ailleurs. Toujours. C'est où, Belour? Merde. Là, je suis sûre que c'est pas normal. Oh. Il va tomber. Accroche-toi au rebord, vite. Oh, bordel. Je vais bien. Vas-y. Ok. On va passer de l'autre côté. Laissez-moi monter. C'est pour ça que je sautais. Je me doutais que je vais me faire renverser. Bordel. Tu vas bien? Comment on a fait pour survivre? Le talent... et un brin de chance. Un brin de talent et de la chance. Hey. C'est du beau travail. Beau travail. Mon sac. Bon sang. Oh, tu faisais quoi? J'ai trop la honte pour toi. Oh. Hey. Je peux me tromper, mais... Il n'y avait pas une chute d'eau ici? T'as raison. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Des aqueducs. Wow. Ils sont là pour récupérer l'eau des chutes. Incroyable. J'en reviens pas de ce qu'on a fait. Bah... C'est moi qui tout fait. Écoute, pardon si j'ai un truc qui se passe là, non? Oh. Nadine, elle lui fait des yeux doux. Ça fait rien. Je crois que vous vous seriez bien entendus tous les deux. Il était con et arrogant comme toi.
suis sûr que tout ça n'est pas passé inaperçu. On devrait pas traîner ici. T'as raison. Ouais. On va se retrouver avec Kassab sur le dos. Ça va être moins drôle. L'eau est canalisée vers la porte. Alors on n'a qu'à suivre la digue. Bien reçu. Je passe devant. Oh, regardez ça. Pendant qu'elle passe devant, un petit tour d'horizon. Pour profiter un petit peu. C'était vraiment sympa. Ah. Alors ils ont inondé leur ville pour protéger leur secret. Tu crois que les soldats savaient qu'ils servaient de leur... L'honnêteté n'est pas toujours la solution. C'est vrai. Tu dois t'assurer que ton peuple te suive à 100%. Tu crois qu'Assav cache des trucs à ses hommes ? Oh, sans aucun doute. Non ? Ouais, peut-être. Mais regarde cette montre. J'ai posé un vieillard en ville. Tu la vois ? Droite. Je dis juste. Pas si... Putain ! Ça marche aussi. Bon travail. Ouais, elle est partie, j'ai pas eu le temps de. Pas grave. Réglé. Ça marche aussi. Oh, 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 merde. Et mercredi. Et merde. Bon bah. Oh, les ponts. Où je vais, mais allez, j'y vais. Balle. Défoncer une épaule. Oh. Waouh. Où on est là ? Aucune idée. Mais au moins on n'est plus dans la ligne de tir. Ouh là là. Espérons qu'il y a une autre sortie. Oh, les bas-reliefs, ils sont magnifiques. Le truc gravé sur le sol.
C'est quoi d'après toi? Ça présage rien de bon. Tu vois ces canaux? À mon avis, ils sont pas là pour conduire de l'eau. Oh. Il y a quelqu'un qui était attaché là. Impressionnant. On fait maintenant. Ah. Là-haut, je crois qu'il y a un passage. Pauvre type. Je sais pas, je préférerais moisir en prison plutôt que de me faire torturer. J'en prends bonne note. Ok. T'entends ? Oui. Pas de grenade pour faire péter ça. Ouais, voilà notre boutique. Là-haut, il y a une brèche. Après, faut peut-être pas lui faire péter. Oh, excusez-moi, mais... Le saut. L'œil de Shiva. Impressionnant. Mon expert n'a rien trouvé en une semaine. Vous devriez peut-être en engager un autre. Possible. Vous savez, il existe un poème Oïsala qui parle d'un jeune roi. Il était bon, alors il mit fin à nos rituels. Mais les anciens rois, eux, savaient que le progrès exige des sacrifices. C'est ça que vous dites à vos hommes? Très bien. Alors, pendant les guerres, ces aqueducs charriaient du sang dans toute la capitale. Car ceux qui ne se battaient pas devaient alors servir d'exemple. Autres. Ou la tâche au sol, etc. Allez, finissons-en. Tu prends les choses faciles. Dans le vent. Tu es fier de toi? On va essayer de gérer le combat. Allez. Vous voyez, pour régner sur un peuple, il faut d'abord répandre le chaos. Attendez. Je vais provoquer une guerre civile. Ensuite, j'éliminerai la misérable lignée du jeune roi. En commençant. Bon. Ouais. Sur lui. Allez, libère-toi. Oh oh. Eh ben c'est parti. Wow. Aïe. Fraser. Ça va? Pas trop, non. Je crois. Vas-y doucement. T'étais inconsciente depuis une demi-heure. Une demi-heure? Ben ça va. Oh, merde. Oh, merde. Ah,
ça m'a pris le disque. Calme-toi. Il faut qu'on le suive. Tu calmes. Elle lui a récupéré. Tu vas tenir le coup? J'ai connu des soirées plus mouvementées. Je veux pas savoir. Je suis contente que t'ailles bien. T'as une sœur jumelle, non? Ouais. Ok. Récupérons ce disque. Et des armes. Et des armes. Je voulais te dire. T'avais raison à propos d'Assav. C'est vrai. Il paye vraiment pas de mine. Tu le trouves aussi? C'est exactement ce qu'il veut. Je suis sûre que ses lunettes lui servent à ça. Pour avoir l'air plus inoffensif ou plus futé? Les deux. Il est intelligent. Il était docteur avant d'embrasser sa cause. Alors il a abandonné une carrière lucrative? À un moment, il a cru que c'était la meilleure chose à faire. Hé, t'es sûr que tu peux continuer? Mais oui, ça va aller. Faut juste que j'y aille mollo quelque temps. Là-haut. Force pas. La porte. On a réussi. Un mécanisme. Allez, ouvrons ce truc. C'est clair. C'est Nandi. Elle garde la porte de Shiva. Ça doit être l'entrée de la vieille capitale. Ces aqueducs doivent ouvrir. Ouais. Oh merde. Assav s'apprête à entrer. Ok, alors entraîne pas, suis-moi. Non. Comment ça, non? Sam Drake. Son putain. Oh merde, Sam. C'est Sam Drake? Ouais. Chier. Tu sais quoi? C'est une bonne chose. Je vais faire d'une pierre deux coups. Nadine. Quoi? Quoi? C'est un peu grâce à Sam si on est là depuis... Non, tu te fous de moi. C'était mon contrat. Sam partait devant en reconnaissance pour trouver oh, le disque. Merde. Mais il a disparu et j'allais pas le laisser pour mort. Tu savais ce qui s'était passé entre Sam et moi et tu m'as embarqué. C'est ta relation avec Assav qui a fait de toi... Waouh! Ok. On va surtout te retiens pas. Je me suis retenue. Tu sais quoi, Nadine? Ça change absolument rien. Tu auras quand même ta part. Ah ouais? Ou vous vous débarrasserez de moi dès que vous aurez la défense? Tu sais que c'est pas comme ça que je fonctionne. C'est exactement comme ça que fonctionnent ceux de ton espèce! Et dire que je t'ai fait confiance. Ça chauffe? Écoute. J'avais prévu de te parler de Sam, je te jure, j'attendais juste le bon moment. Oh. Eh merde. C'est pas grave, je préfère marcher, de toute façon. Merde. Ah. Le gardien de la porte. C'est mieux de la suivre. On va la suivre. Et vous savez quoi? On va faire un épisode un petit peu plus court. C'est déjà pas mal. J'ai peur que si je pars encore sur la suite, ce soit plus long encore. Donc, ce soit un épisode peut-être un peu trop long. Wow! Ah bah, c'était super intéressant. De l'exploration, de l'action. Uncharted. Voilà. Je continue de découvrir, je continue d'en prendre plein les yeux. Et je continue de prendre plaisir. Et ça, c'est le plus important. Et pour vous, ce qui est important, c'est de lâcher un maximum de petits pouces bleus, s'il vous plaît, pour soutenir la chaîne. Pour aider à référencer, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Alors bye bye.